des pistes aériennes, des avions de chasse et des bombardiers. Tout cela à des centaines de mètres sous les montagnes. Voici une base aérienne cachée de l'armée de l'air iranienne dont elle a dévoilé l'existence ce mardi. Les premières images de la base Orab 44 en persan Aigle 44 ont été publiées ce mardi par des médias iraniens à la veille de la journée nationale de l'armée de l'air dans le pays. Selon Téhéran, l'objectif de cette base est de servir de point de départ des avions iraniens si le pays venait à être attaqué. Si un État ou un endroit de la région ou de n'importe où dans le monde est utilisé comme base pour attaquer l'Iran, autre que le régime sioniste pour lequel nous sommes déjà préparés, cette base fera l'objet d'une lourde attaque. En plus de sa base, l'armée iranienne a dévoilé pour la première fois des missiles longue portée ASEF équipés sur des avions de chasse de fabrication russe Sukhoi Su-24. Ce missile a été conçu afin de maintenir nos avions loin des radars de l'ennemi. Les têtes de ces missiles ont une puissance explosive très élevée qui peut détruire des fortifications lourdes. La base souterraine sera aussi équipée de drones militaires. En mai dernier, les autorités iraniennes avaient justement dévoilé l'existence d'une autre base aérienne souterraine spécialisée dans les drones.